Madame la directrice de cabinet représentant le président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. Il me revient en premier lieu le triste devoir de rappeler la mémoire de nos confrères disparus depuis la dernière séance solennelle de rentrée qui a eu lieu le mardi 23 octobre 2012. Nous avons perdu à l'Académie française François Jacob, également membre de l'Académie des sciences, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, André Crépin, Philippe Gauthier, Jean-Marc Cadet, parmi les associés étrangers, Emilio Gabba, Calvert Watkins et Martin De Ricker. À l'Académie des sciences, Huy Duong Bui, Marianne Grimbert-Manago, Maurice Tubiana. Parmi les associés étrangers, Christian De Duve, Goury Ivanovitch Marchouk. À l'Académie des beaux-arts, Louis-René Berge, Zhao Wuqi. Parmi les correspondants français, Gilles De Bure. À l'Académie des sciences morales et politiques, Raymond Boudon, Michel Crozier, Alain Planté. Parmi les correspondants français, Jean-Charles Asselin. Nous saluerons avec respect leur mémoire en pensant au rôle qu'ils ont joué au sein de nos compagnies. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. La tradition et les statuts de l'Institut de France, qui se composent des 5 académies, veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement Monsieur Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli ». Monsieur Paul Andreu, délégué de l'Académie des beaux-arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Monsieur Thibaut Damour, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ? »
M. Bernard Potier, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». M. Philippe Bossan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?». Le thème de cette année « Le passé est-il passé ?» a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre, dans certains cas, au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Petra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle. La parole est à M. Georges-Henri Soutou, historien de l'époque contemporaine, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli ». Le sentiment du passé est le propre de l'homme. Mais cette dimension anthropologique essentielle du récit de la Genèse aux passions mémorielles de notre temps se situe entre deux pôles contradictoires. D'un côté l'obsession, de l'autre l'oubli. Que celui-ci soit provoqué par l'usure du temps, par l'évolution culturelle ou sociale, ou par la volonté idéologique du passé faisant table rase. Mais l'oubli débouche parfois sur une résurgence inattendue, sur une revanche du passé qui suscite souvent l'exacerbation de la mémoire par la suite. Le passé, c'est à la fois une suite d'événements singuliers et un ensemble de structures qui progressivement se construisent. Les historiens distinguent entre le temps court, les circonstances politiques, les crises de toute nature, et le temps long, les phénomènes religieux, culturels, socio-économiques, qui se déroulent parfois sur des siècles, voire des millénaires. Une structure ne débouche pas forcément sur un événement. En revanche, à certaines bifurcations historiques, un événement peut engager l'avenir à long terme et cristalliser une nouvelle structure. On aura les conséquences, disait Jacques Bainville à propos du traité de Versailles. Les fameuses leçons du passé ne nous disent rien sur les événements susceptibles de se produire. En revanche, elles nous éclairent beaucoup sur les structures à long terme dont il faut tenir compte pour l'action dans tous les domaines.
Pour l'Antiquité, il existait un continuum du passé légendaire épique au présent. À un âge d'or, légendaire succédait un présent, mais un présent stable dont on n'envisageait pas la fin. Donc, il s'agissait là d'un passé devenu une sorte de présent permanent ou redevenu présent dans un éternel retour et qui ne passait pas vraiment. Les religions révélées, en revanche, et en particulier le christianisme, introduisent un futur, une direction de l'histoire, un vecteur. La création, la chute, le Messie, le retour du Messie, l'avènement du royaume de Dieu qui abolit le passé dans l'éternité. Relisez à ce sujet les pages d'Henri Maroux ou de Paul Ricoeur sur la notion toute nouvelle du temps et du passé apportée par le christianisme. L'ancien régime européen est schizophrène. Sur le plan religieux, il adhère évidemment à ce que je viens de dire. En revanche, sur le plan de la cité terrestre, le passé est pour lui la source de toute légitimité, de toute norme, et donc ne passe pas vraiment, ne doit pas passer. Pour les modernes, le passé passe, l'humanité suit une direction, mais sécularisée. Il existe une eschatologie des idéologies modernes, mais avec une ambiguïté fondamentale. On veut rompre avec le présent et le passé proche pour rejoindre un futur lumineux, mais en même temps, on pense revenir à un passé plus ancien, une sorte d'âge d'or au-delà de la corruption du présent. C'est le mot même de révolution qui est ambigu. Il signifie rupture, mais aussi cycle, retour à l'état de choses ancien. La Révolution française proclame un retour rousseauiste à l'état de nature, par-dessus l'obscurantisme du Moyen-Âge. C'est pourquoi elle prétend s'inspirer de Rome, jusque dans ses cérémonies, jusqu'au titre de premier consul. C'est rompre avec un passé récent, mais pour retrouver un passé plus ancien, bien entendu mythifié. Pour Engels, la société primitive était communiste, avec possession collective des terres. La lutte des classes n'avait, selon lui, commencé qu'après sa dissolution. La société sans classe du futur, c'était donc aussi un retour à l'âge d'or. Selon la dialectique hegélienne, ou celle d'Auguste Comte, ou celle de Marx, l'humanité passe par des âges successifs, mais chaque fois le passé est repris et transformé, il ne passe pas vraiment. Dans la même veine, et en conséquence, on trouve l'historicisme, courant intellectuel fondamental au XIXe siècle, tout le présent s'explique par tout le passé. Si les XVIIIe et XIXe siècles ont inventé l'histoire scientifique, dans ce contexte philosophique, ce n'est pas par hasard. Finalement, le passé ne passe pas si facilement que ça, même pour des révolutionnaires. Car le passé est rusé. Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, note la persistance de structures essentielles de la France monarchique au-delà des circonstances politiques et au-delà du discours. Il note même la réalisation par la Révolution et l'Empire de ce qui n'avait pas été achevé par la monarchie, comme la centralisation du pays. Et de fait, Napoléon reprit de nombreuses institutions monarchiques sous un nouveau nom. Quant à la Restauration, elle se garda bien de toucher au préfet ou au code civil, qui lui-même reprenait en grande partie et codifiait les avancées juridiques du XVIIIe siècle. Quant à notre système fiscal, il manifeste une profonde et tranquille continuité depuis le XVIIIe siècle. Marc Bloch disait que pour comprendre la France, il fallait vibrer aussi bien au récit du sacre de Reims qu'à celui de la fête de la Fédération. Le passé était pour lui repris dans le présent avec une signification nouvelle grâce à une continuité fondamentale malgré les révolutions. Le discours proclame souvent la Révolution française comme une rupture radicale et proclame la naissance d'un pays nouveau en 1789. Comme souvent chez nous, la réalité est plus complexe. Problématique similaire avait été bien étudiée pour le cas passionnant de l'Union soviétique, prise entre le passé russe et le présent soviétique, d'une façon qui n'était pas toujours facile de décrypter. Cette problématique est aussi une clé d'explication pour la Chine actuelle. Elle est aujourd'hui un enjeu essentiel pour ce pays, comme d'ailleurs pour la Russie. Dans les deux cas, le passé est-il définitivement passé? La Russie avec Lénine et la Chine avec Mao ont-elles changé d'univers?
Même la Russie post-communiste n'est pas une restauration de la Russie d'avant 1917. On peut se demander si la chaîne des temps n'a pas été rompue. Les Russes du passé ne réussissent pas toujours. En effet, le passé est parfois dépassé. Il vient un moment où le changement a été trop profond. Il ne peut pas survivre ou réapparaître. L'Égypte des pharaons, le Moyen-Orient chrétien d'avant l'islamisation, sont des régions où le passé n'a pas seulement été dépassé, il a été éradiqué et purement et simplement oublié, sauf par des minorités ethniques ou religieuses, ou par les archéologues, bien sûr. Cependant, les hommes, à travers les civilisations, ont toujours fait la distinction entre le passé, même légendaire, et le présent. Le vrai problème paraît être le rapport du présent au futur. Là, les conceptions sont très différentes. Prévoit-on continuité, permanence ? Prévoit-on une évolution ou la rupture ? Pour préparer l'avenir, faut-il rompre avec le passé ou s'appuyer sur lui ? Réagira-t-on comme les lettrés romains, désespérés lors de la chute de l'Empire d'Occident, ou comme l'Église, toujours prête à passer aux barbares ? Ou réagira-t-on comme nos contemporains, que je qualifierais ici de schumpeteriens, disposés qu'ils sont à voir la reconstruction dans la destruction elle-même ? C'est la question politique, sociale, culturelle essentielle. Mais une vraie compréhension du passé n'exige-t-elle pas un point de vue sur l'avenir, au moins la capacité de comprendre que celui-ci sera de toute façon différent et ne sera pas un retour en arrière ? Ces questions nous orientent vers le paradoxe du passé. Le passé est passé, par définition, il ne reviendra pas, il est achevé. En même temps, c'est bien que le passé ne disparaît pas. Ses conséquences demeurent, ses traces se voient, des monuments aux traditions culturelles, nationales, familiales. Le passé fait partie de l'âme individuelle ou collective. Je vous propose deux voies pour tenter de résoudre ce paradoxe. D'abord, le passé est repris dans le présent. En même temps, il est constamment réinterprété dans un processus dialectique permanent entre réalité et représentation. Regardons d'autre part la science historique. En fait, elle n'est pas tant l'étude de la chronologie que celle des différences et des singularités. Prenons Hérodote. Certes, il a fondé le récit historique, mais il a fait bien plus. Il a étudié les différentes coutumes, ou comme on dirait aujourd'hui, les différentes cultures des peuples entrés en contact avec les Grecs et les Perses. Et il en retrace chaque fois l'histoire singulière. Et il trouve cette diversité tout à fait convenable et ne prétend absolument pas la remettre en cause. En fait, la perception de la différence peut faire prendre conscience du passé, ou du moins de la coexistence de rythmes d'évolution différents. Chacun peut l'éprouver en sortant de la gare à Venise pour déboucher sur le Grand Canal, en se rendant dans une oasis du Mzab, en visitant le musée national de Taipei, etc. Un voyage dans le passé, dit-on couramment d'une expérience de ce genre, même s'il est un peu journalistique, l'expression n'est pas sans signification. Le passé envisagé comme différence permet de comprendre comment le passé continue dans le présent. Les différents peuples, et dans chaque société, les différentes catégories, les différents groupes, les différents individus même, ne sont pas au même stade. Le passé ne passe pas partout et pour tous au même rythme. C'est en particulier là que la distinction entre structure et événement est essentielle. D'autre part, le passé ne donne pas lieu à une mémoire univoque. Les représentations divergentes, contrastées, voire opposées du passé national, que peuvent avoir au sein d'un même pays des groupes politiques, sociaux, régionaux, ethniques différents, dont les expériences sont différentes, dont les rythmes culturels ou psychologiques sont très variables, ou encore les mémoires antagonistes entre deux pays par rapport à leur histoire commune, tout cela en apporte l'illustration. Si en outre on admet que l'humanité connaît depuis le XVIe siècle une tension permanente entre mondialisation et particularisme, le passé et sa rémanence apportent un élément essentiel d'explication. On peut ainsi assumer ou dépasser le paradoxe du passé si on le comprend aussi comme différence et comme représentation. Le passé des groupes et des individus est têtu. Il faut des générations pour voir des populations changer de référence culturelle ou de mœurs. L'oublier au nom d'une conception abstraite de l'individu, c'est risquer bien des déboires, voire des explosions.
Car une autre façon aussi d'échapper au paradoxe et au poids du passé, c'est de l'oublier ou de s'en libérer ou de s'en débarrasser. Or, la référence au passé, tout au moins comme facteur d'explication et d'orientation, est en net recul, me semble-t-il, dans le discours politique, dans les médias, dans les programmes d'enseignement, encore plus peut-être dans les autres pays occidentaux qu'en France d'ailleurs. Notre société occidentale n'innove-t-elle pas dans ce domaine ? Est-ce à cause d'un refus de principe de toutes les déterminations et de la volonté de s'en libérer ? Est-ce à cause du recul des grandes idéologies eschatologiques du 19e, dont j'ai souligné le rapport étroit qu'elles entretenaient avec l'histoire ? Mais justement, les sciences historiques aussi évoluent. L'histoire universitaire actuelle tend à se dissoudre dans l'ensemble des sciences sociales. Ou alors elle étudie le passé non plus comme une réalité, comme un facteur objectif d'explication du présent, mais avant tout du point de vue des représentations subjectives que s'en font nos contemporains. C'est la société actuelle qui devient en fait l'objet de la recherche des nouvelles sciences sociales, ce qui est une autre façon, sinon d'oublier, du moins de relativiser le passé. Cependant, l'oblitération du passé ne risque-t-elle pas de conduire à une perte de repères, à une dégradation de la culture, de la vie civique, à l'absence de projets collectifs, à une politique de pure gestion ? Vous allez me dire que les Français se passionnent pour les journées du patrimoine, pour les émissions historiques, etc., et malgré l'évolution de fond que je viens de souligner. Il y a à cela trois explications possibles qui, à mon avis, peuvent d'ailleurs très bien coexister. Après tout, nombre de nos concitoyens ont sans doute une vision équilibrée, cultivée, sans problème particulier, des liens entre leur passé, leur présent, leur avenir. Cependant, les Français éprouvent peut-être aussi bien le besoin confus de renouer avec leurs racines, de retrouver des repères, en particulier dans une période de bouleversement des horizons, provoquée par la construction européenne, par l'immigration, par la mondialisation. Dans ce cas, les Français se tourneraient vers le passé pour reprendre pied dans le présent. Ou alors, troisième hypothèse, à mon sens plus inquiétante, leur curiosité pour l'histoire qui manifeste se détacherait-elle de la notion d'un récit collectif et d'une réelle causalité historique ? Leur besoin de passé subsiste-t-il, mais sous la forme d'un sentiment vague, d'une effusion, d'une recherche de la proximité ou d'une sorte de folklore ? Devient-il alors ce passé un objet de consommation, comme d'autres formes de consommation culturelle ? Mais le passé se venge, il ne se laisse pas oublier. Ainsi, les peuples des Balkans ou d'Europe centrale au XIXe siècle passaient brutalement de l'oubli de leur passé à une véritable obsession historique. Quant au Moyen-Orient, nous en donnons aujourd'hui de nombreux exemples. Ainsi, la France des années 40-44, un temps sinon occulté, du moins aseptisé, qui fit brutalement irruption dans la conscience nationale à partir des années 70. Cette réalité d'expérience induit deux modes de réaction. D'abord, ces retours en force contribuent au phénomène de reconstruction du passé, de recomposition, d'appropriation. On reconstruit le passé en fonction de sa vision du présent, son projet pour l'avenir. Car tout est construction chez l'homme. Le passé est donc constamment réinterprété, reconstruit. Cela vaut au niveau individuel comme au niveau collectif. Le discours politique repose sur une analyse du présent, un projet pour l'avenir, mais aussi sur une vision reconstruite du passé. Tantôt sciemment, tantôt par un processus complexe de triage, de mémoire sélective, de réinterprétation. Lavis, dans sa monumentale histoire de France, fait magnifiquement œuvre d'historien, mais en même temps il construit un socle de conscience historique nationale pour la Troisième République. Mais parfois aussi le passé occulté se venge et revient jusqu'à l'obsession. Ce fut la génération des années 60 en Allemagne, à propos de la période nazie, quand les enfants demandèrent à leurs parents quelle avait été leur attitude sous Hitler. Ce furent les réactions en France à propos de Vichy dans les années 70 et depuis. C'est la Yougoslavie d'après Tito, c'est la mémoire retrouvée des divers génocides en Europe et ailleurs. Ce phénomène est tout à fait compréhensible étant donné l'importance du passé pour l'âme humaine. Les peuples comme les individus ont droit à leur mémoire. En même temps, des excès ou des dangers sont possibles. Il n'est pas souhaitable ni pour les personnes, ni pour les sociétés, de vivre dans le passé de façon obsessionnelle. Cela pose en particulier le problème des lois mémorielles qui se sont multipliées dans tout l'Occident depuis les années 70. Elles relèvent des autorités et des pouvoirs politiques. On peut comprendre les motivations de leurs auteurs,
Les historiens, même s'ils n'aiment guère la régulation de la pensée, ne sont pas fondés à s'opposer à ces lois au nom d'un quelconque corporatisme, car ils ne sont pas propriétaires du passé. Mais en revanche, les historiens ont le devoir de réaffirmer que ces lois ne doivent pas nuire à leur liberté de recherche et d'expression. En fait, le devoir des historiens, ce n'est pas tant le devoir de mémoire que le devoir d'explication. La mémoire divise, l'histoire unit, comme l'a dit Pierre Nora. En effet, le danger, c'est l'instrumentalisation du passé. Elle a toujours existé, depuis les fausses chartes du Moyen-Âge jusqu'aux reconstructions politiques du XIXe et du XXe siècle dans les États européens nouvellement créés ou dans les régimes totalitaires. Ce risque d'instrumentalisation est aggravé aujourd'hui par le développement de la judiciarisation de la vie politique et aussi du passé au niveau national et même au niveau international. Ceci dit, le passé est certainement une chose trop sérieuse pour l'abandonner aux seuls historiens. Les responsables politiques s'en préoccupent et veillent aux célébrations nationales ou collectives. Parfois, il s'agit d'exorciser le passé, de le dépasser pour permettre une œuvre de reconstruction politique, comme Louis XVIII en 1815, « Union et oubli », proclamait-il, ou l'Espagne à la mort de Franco, ou encore sur un plan tout différent, la réconciliation franco-allemande. Inversement, on peut vouloir prendre à bras-le-corps un passé complexe, conflictuel, pour le gérer, pour lui donner un autre sens et permettre à une collectivité fragmentée de se réconcilier, de se retrouver. C'est ce que font par exemple les États-Unis, avec de grands musées où sont évoquées les mémoires des différentes composantes de la société américaine, le développement des Black Studies dans les universités américaines, ou encore le développement de l'histoire mondiale, Global History, censé dégager l'histoire de l'impérialisme d'un monde, selon la formule devenue fameuse, d'un monde blanc, mâle et mort. En Europe, de façon peut-être moins artificielle et plus satisfaisante pour l'esprit, on développe depuis une vingtaine d'années l'histoire comparée européenne qui vise à retrouver le substrat européen commun derrière les histoires nationales typifiées à partir du XIXe siècle. Le passé, et je conclurai ici, est donc avant tout le lieu de la singularité, de la différence. Il passe, mais sur des rythmes différents sont les populations et les individus. Le passé n'est pas une contrainte univoque, mais un champ de force, ainsi compris, assimilé, dépassé, de façon dialectique, en évitant aussi bien l'oubli que l'obsession. Le souvenir et l'étude du passé permettent non seulement de mieux comprendre le présent, mais aussi de trouver des repères pour l'avenir, d'innover, de surmonter le poids de l'histoire, d'aider les hommes à vivre ensemble. Je vous remercie. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Paul Andreu, architecte, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Le passé est-il passé ? J'ai essayé d'y réfléchir. D'abord dans un avion, couché, les genoux relevés, sur le siège déplié à l'oblique. Un casque sur mes épaules, sur mes oreilles, étouffe le bruit des moteurs et de l'air, j'écoute Couperin, l'un après l'autre, des morceaux écrits pour la viole. J'essaie de penser au texte que je me suis engagé à écrire et à vous lire aujourd'hui. Le passé est-il passé ? Mon esprit, malgré moi, vagabonde. L'image d'un film, le souvenir d'une émission de radio il y a plus de 50 ans, quoi d'autre encore ? Les idées qui me viennent sont aussi mobiles et peureuses que des têtards dans une mare, je n'en saisis pas une. Je viens de lire que la mesure de la polarisation, excusez-moi, du rayonnement diffus cosmologique va nous apprendre des choses nouvelles sur les premiers instants de l'univers. Et comme souvent pour moi, la fascination l'emporte sur l'entendement. S'il y a un passé, c'est bien celui-là. Un peu plus loin dans le même magazine se trouve un article sur la mémoire épisodique des singes, un autre encore sur les faux souvenirs de la souris. Ne serait-il pas extraordinaire qu'un nous tous, nous rassemblions dans un discours ce que nous savons, comprenons et pensons du temps, science et poésie, art,
que nous partagerions avec ceux qui nous écoutent ou qui nous liront. Et sinon du temps entier, de cette question au moins sur le passé. Mais moi, là-dedans, à nouveau, ma pensée s'égare, peut-être parce que quelque chose me manque pour penser au passé. Sans doute à cause de cet obstacle, je ne comprends rien au présent. Je doute qu'il existe. Peut-être faut-il, pour le concevoir, être dans le monde et pas devant lui, entendre les mots de Rainer Maria Rilke dans la 8e élégie à Duno et y retrouver, je le cite, « nous dont les yeux sont comme retournés, la vue qu'a la bête seule sur l'ouvert ». Je n'y parviens pas. Il me semble plutôt que le présent, comme le point des mathématiciens, n'existe que comme une construction de notre esprit, une construction très utile, indispensable même, mais sans réalité perceptible. Il me semble qu'il n'y a en fait pour notre conscience, et c'est peut-être là l'effet de nos yeux retournés, que du passé. Les sons que j'entends ont mis du temps pour parvenir à mon oreille. Il a fallu du temps encore pour qu'un signal parvienne à mon cerveau. Que j'en prenne conscience, que ma mémoire agisse sans cesse pour les lier entre eux. Entendre cette musique, l'aimer, ont été des actions différées qui n'ont pas été directement déclenchées par la musique, les sons, mais par des traces successives. De la manière la plus générale, de tout ce qui s'est passé, de ce qui constitue le passé, je ne connais jamais que les traces matérielles, physiques, celles qui sont enfouies dans mon cerveau, celles ensuite qui, partagées grâce au langage puis à l'écriture, sont dans la conscience commune, celles enfin, matérielles et physiques encore, qui restent lisibles dans tout ce qui nous entoure, celles des civilisations, celles des animaux, des plantes, de tout ce qui vit, celles des climats, des roches, bref, de tout, jusqu'au rayonnement diffus cosmologique, en attendant peut-être des traces plus anciennes encore, rendant plus énigmatique encore le temps. Les traces dans les corps, dans les livres, dans la littérature, les arts, toutes les œuvres de l'esprit. Des pyramides inversées de traces à partir de chaque trace originelle. Du passé, toujours du passé, régénéré, sans fin. Laissant la place à de futurs passés qui, à leur tour, n'existeront qu'une fois passés. Le passé n'est pas passé, il est le passé, fait de traces. De traces qui, à l'exception de quelques-unes enfouies en nous, secrètes, sont ce que nous pouvons partager. Par elles passe tout échange, toute communication. Elles se diffusent et alors, ordonnées ou pas, se multiplient, ou bien s'effacent et disparaissent. J'ignore ce qu'est le présent. En tout cas, nous ne le partageons pas. Ce que nous partageons, ce sont les traces du passé. Je déplacerai donc la question. Au jeu de mots près, elle reste la même. Les traces passent-elles ? Je reprends, mais cette fois dans mon bureau. Mais j'ai besoin d'aide. À moi, Victor Hugo. N'a-t-il pas dit sur ce sujet des choses essentielles dans le long commentaire qu'il fait au chapitre 2 du livre 5 de Notre-Dame de Paris, des mots ambigus qu'il a lui-même mis au chapitre précédent dans la bouche de l'archidiacre Frollo, « Hélas, ceci tuera cela ». Enfant, je sautais le chapitre pour revenir au plus vite à l'histoire, même quand j'en ai bien connu la fin. Architecte, je l'ai lu avec une tristesse mêlée de dépit, comme célébrant la victoire du livre sur le monument, de la littérature sur l'architecture. Je l'ai relu. Le plus important m'avait échappé jusqu'ici. Il est pourtant clairement mentionné dès la fin du troisième paragraphe. C'est l'imprimerie qui tuera l'architecture. Pas le livre, l'imprimerie, grâce à la diffusion qu'elle permet. Le bâtiment et le manuscrit, ces deux traces étaient uniques. Le premier avait la solidité de la pierre. Hugo ne songeait guère aux architectures de bois. Le second se confiait à des matériaux tous fragiles. Le livre imprimé n'est pas moins fragile, mais produit en grand nombre, diffusé partout, il devient impossible à détruire. La pensée, grâce à lui, je cite Hugo, flotte dans l'air, va partout, résiste à tout, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. Qu'importe la description que fait Hugo de l'architecture comme langage, elle est assez spécieuse.
Qu'importe aussi l'évocation qu'il fait de l'architecture à son apogée, sa chute ensuite après Gutenberg, l'important du texte n'est pas là. L'imprimerie, une technique qui fait proliférer la trace, à un prix et avec un encombrement qui assure sa diffusion rapide dans l'espace, permet d'accélérer le partage de ce qui peut être partagé, le passé, modifie la marche des idées, accompagne, fait connaître ou découvrir une autre politique. Qu'il serait bon, comme Hugo, de savoir faire tourner les tables et de l'interroger sur ce qu'Internet apporte aujourd'hui à la pensée. Nul doute, les cours répétés nous le diraient clairement, Internet tuera le livre imprimé. Il diffuse plus vite, moins cher partout, toutes les traces qui s'attachent à chaque trace initiale, études, commentaires, analyses, opinions, il les rassemble, il les comprime. Tout le monde accède à tout, dans l'instant, et nous pouvons tout conserver, les écrits, les sons, les images, tout. Enfin, pour être plus précis, tout ce qu'on peut représenter dans le langage des ordinateurs et avec la précision des transmissions. Mais qu'importe les limitations toujours momentanées, jamais le passé n'a été aussi bien partagé. Quelques heures d'errance au hasard des mots ou de recherche organisée nous apportent plus de connaissances inattendues ou désirées que des semaines de bibliothèque. Nous gardons tout, jusqu'à en être encombré, tout, jusqu'au plus insignifiant. Le champ de notre savoir se dilate, comme les cartes de Lewis Carroll ou de Louis Borges, toujours plus précises, augmentant leur surface jusqu'à l'absurde et l'inutilisable, jusqu'à l'inévitable abandon, la destruction. Nous sommes loin encore de la limite, mais il va falloir faire le compte de l'énergie ainsi dépensée. Elle a cessé d'être négligeable. Il va également falloir accepter l'oubli. Il est sans doute, comme dans notre cerveau, nécessaire à l'organisation et à la pérennité de la mémoire. Plus encore, il va falloir le décider. Dans ce grand tohu-bohu de merveille et d'inutilité, tout change. Des enseignants, nous n'attendons plus qu'ils nous apportent la connaissance, mais qu'ils nous apprennent comment chercher, et plus encore, comment trier. Nous exprimons nos opinions, nous savons faire circuler les mots d'ordre, nous rassembler, déjà la politique change. Et les œuvres d'art ? Sont-elles emportées par ce courant ? Doivent-elles changer ? Changent-elles ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'elles restent délibérées et fragiles. Les œuvres d'art, toutes les œuvres de l'esprit peut-être, sont des traces délibérées. On ne les laisse pas, on les décide, on les fait. Avec les regards qui se succèdent, le temps vient battre sur elles, les fatiguer, les dégrader, les détruire à la fin souvent. Même faites du matériau le plus résistant, le plus inerte chimiquement, elles sont fragiles parce qu'elles sont uniques, parce que leur forme défie celles qui les entourent. Ce qui m'émeut le plus à Saqqara, c'est le rapport des pyramides et des collines qui les entourent. Opposition d'une forme simple issue de l'esprit, la plus simple possible, la pyramide, et celle plus complexe ou répondant à un ordre moins lisible des paysages. Ou encore, comme un lien entre elles, celle intermédiaire des pyramides plus anciennes ou moins solidement bâties. Retour à l'amoncellement, au tas, à la forme naturelle. J'ai le même sentiment quand je vois une sculpture en bois, en pierre, dont les intempéries ou le contact du sol ont dégradé la forme donnée par l'artiste. Celle-ci, souvent, partait de celle constitutive du matériau. Elle ne la niait pas. La dégradation l'y ramène. Et parfois, l'œuvre qui se dégrade ainsi, selon son propre fil, devient-elle, dans sa fragilité respectée, la trace la plus émouvante, celle que l'on charge le plus de sens. La peinture, la gravure, la sculpture sont délibérément fragiles parce qu'elles sont uniques ou que leur édition est limitée. Victor Hugo le dit, il suffit d'un peu d'explosif pour défigurer les plus solides. Ceux qui s'en prennent au sphinx et au Bouddha le savent bien. La photographie et le film le sont aussi, et l'architecture toujours davantage, mais d'une autre manière. Parce que les techniques auxquelles elles ont recours sont de plus en plus élaborées. Pour m'en tenir ici à l'architecture, il est clair que les bâtiments modernes, même construits avec le plus grand soin et des connaissances bien supérieures, sont plus fragiles que ceux d'il y a 500 ans, parce qu'ils utilisent toujours en plus grand nombre des équipements de durée courte, dont la conception change, et des matériaux industriels dont la fabrication ne peut pas être reprise pour de petites quantités.
Avec d'autres outils, un tour de main différent peut-être, il est encore facile de changer des pierres abîmées d'une façade. Il est impossible de relancer la fabrication d'un produit industriel abandonné. Le choix sera de plus en plus souvent de démolir ou de reconstruire en partie autrement. La trace originelle sera perdue, une autre prendra sa place, sincère dans son intention, mais différente. Les conservateurs en sont bien conscients. C'est la grande force des livres qu'on retrouve dans une décharge, le dernier exemplaire d'un livre, souillé, déchiré, à peine encore lisible. On pourra l'éditer à nouveau sans que rien d'essentiel ne se perde, sinon pour un bibliophile. Mais dans sa faiblesse, l'œuvre originale, unique, puise une force singulière. À travers le temps, les regards de l'auteur et du spectateur s'y succèdent. C'est Sacha Guitry qui me l'a fait comprendre à sa manière. Il avait une émission de radio le dimanche soir, ce devait être dans les années 50, dans laquelle il parlait de beaucoup de choses, et souvent de lui. Un jour, il a expliqué la volupté d'être seul devant la Joconde. Seul, assurément seul, insistait-il. Volupté qu'aucune œuvre de la littérature ne pourrait jamais lui procurer, puisqu'il ne pourrait jamais savoir combien, en même temps que lui, partager la beauté d'un texte de Shakespeare ou de Racine. Pour moi, qui ne connaissais la peinture que par les reproductions des éditions Skira, c'était un propos à la limite de l'indécence. Il ne révélait que l'égotisme de son auteur. Et pourtant, il avait raison. C'est de leur fragilité souvent extrême que ces traces délibérément uniques que sont beaucoup des œuvres d'art tirent leur force. Je vois d'ailleurs dans les installations temporaires, dans les œuvres comme celle de Christo ou de Galwafi, qui sont éphémères, une volonté d'accepter la fragilité en devançant le moment de la destruction et de la disparition de l'œuvre, qui s'assimile alors à un spectacle, mais à une autre échelle du temps. Cette volonté ne va cependant pas, le plus souvent, jusqu'à l'oubli. Au-delà des mémoires individuelles, l'œuvre persiste grâce à des traces matérielles secondaires, dessins préparatoires, photos, vidéos, textes qui attestent de sa nature matérielle disparue et peut, même si ce n'était pas le but poursuivi, s'intégrer ainsi au marché de l'art. On me pardonnera de ne rien dire de la musique. Longtemps, elle n'a pas eu de trace première. Puis est venue la notation et sa complexité croissante, mais qui ne dictait pas l'interprétation. Que peut-on dire aujourd'hui qu'elle est créée, enregistrée, restituée grâce à des techniques toujours plus élaborées? Sa diffusion sans obstacle donne-t-elle à sa fragilité une force semblable à celle du livre? D'autres le diront, je suis trop ignorant. Je ne m'étendrai pas davantage à parler des espaces réputés infinis de la virtualité, la promesse toujours réitérée d'un art nouveau qui combinerait, qui assimilerait tous les autres. Comment parviendra-t-il à vaincre ce paradoxe, vouloir se détacher de toute matérialité, quand il ne peut être partagé que par le recours à des traces qui, elles, sont toutes matérielles? C'est dans le train que je poursuis. Montaigne m'en a excusé d'avance qu'il ait la pensée au mouvement. Le passé est-il passé? Les artistes et d'une manière plus générale, les créateurs se posent-ils cette question quand ils travaillent? À de rares exceptions près, je ne saurais pas en citer une seule, jamais sans doute. Leur seul désir est d'ajouter quelque chose de nouveau, au minimum de poursuivre, ou bien mieux, de tout renouveler. Évidemment pas. Pour autant, le passé est-il sans influence sur la création? Évidemment pas. Comment serait-il possible de se débarrasser de toutes les traces dont même dans la retraite la plus déserte nous sommes envahis? Fuir privé de repères, comment le ferait-on? Le passé, prison qu'il faut fuir, ou grand travail collectif qu'il faut poursuivre, en dépit de toutes les dénégations, influence la création. Mais les rapports qu'ils ont entre eux sont si divers, si cachés souvent, si secrets et si délibérément méconnus, que je ne me hasarderai pas à tenter de les décrire. Je ne sais répondre que pour moi, et encore. Je ne le fais que si j'y suis contraint, soit ce qui est rare parce que j'ai à faire un projet dans un site ancien en France, soit ce qui est beaucoup plus fréquent quand je travaille hors de France et qu'on me demande en quoi le projet que je propose se réfère à l'héritage de la culture locale. La question est bien souvent polémique. Elle est la même ici ou là. Elle se transpose aisément terme à terme. Un Chinois peut-il construire une pyramide de verre au centre du Louvre?
un Français, une bulle de titane au centre de Pékin. Il ne connaît pas notre culture, il ignore tout de notre passé. Il est trop aisé, trop sommaire surtout de répondre que les Français ne portent plus de perruques et de rubans et les Chinois n'ont plus de nattes. Mais que répondre ? Que j'adopte toujours la même attitude. Du passé, je me sens toujours imprégné, où que je sois. Ses traces sont partout. J'ai avec lui la relation que j'ai toujours espérée, que j'ai pu avoir parfois, avec ceux que j'ai acceptés comme mes maîtres. Tantôt je m'abandonne, et tantôt je résiste. Mais jamais tout à fait, et toujours librement, sans système. Je suis un cueilleur, pas un cultivateur. En cela, peut-être suis-je un grand-père compréhensif de cette petite poussette chère à Michel Serres, qui se promène dans le savoir sans craindre les désordres des chemins de traverse et les sauts. Les traces du passé sont des abris, des refuges, si on donne à ce mot le sens que lui donnent les alpinistes, mais en récusant aussitôt ce qu'on associe aussi. Alors la connaissance du but et le parcours en groupe. Dans ce cheminement solitaire qui est le mien, concomitant à tant d'autres, le mouvement qui sous-tend la question aujourd'hui s'inverse. Ce n'est pas le passé qui passe, c'est nous qui passons à travers lui. Comme l'eau, le thé ou les fibres du tissu, la teinture, il nous colore. De nos promenades, nous revenons tout bariolés. Certaines couleurs restent, d'autres s'effacent. À la fin, notre cerveau, pardon, le mien, ressemble, je crois, à une serpillière. Ou pour employer les mots plus insolites de nos voisins belges, une loque à reloqueter. Il est usé, troué, chargé de traces, de fragments rassemblés par le hasard et le désir. C'est ce cerveau-là qui a sans doute plus rassemblé qu'inventé, qui fait de l'architecture ou qui écrit quand, longtemps attendu, imprévisible, une pulsion y prend naissance, laisse une trace qui se développera en un projet, mais au prix des hasards et des efforts d'un long travail. Un projet pour ce lieu et pour ce moment. L'avion, mon bureau, le train, de toutes mes notes désordonnées, j'aurais attiré une sorte d'ordre, de discours. J'ai bien peur de mal y parvenir. Je n'ai jamais vraiment été un bon élève, studieux, appliqué et obéissant. Je me rassure en me disant que chacun comprendra avec indulgence que je m'en tienne à une histoire, à cette fiction sur ce qu'a été ma réflexion, et ne me tiendra pas rigueur de la changer demain, peut-être. Merci de m'avoir écouté. Merci, cher confrère. La parole est maintenant à Monsieur Thibaut Damour, physicien, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours intitulé « Le temps passe-t-il ? » La fuite du temps est un sentiment profond de la plupart des êtres humains, et du coup un thème récurrent en poésie et littérature depuis le Pantareil d'Héraclite jusqu'à la célèbre prosopopée de Lamartine, « Autant suspend ton vol », en passant par les devises des cadrans solaires que vous pouvez voir sur cette diapo. La conception habituelle du temps est, premièrement, qu'il est extérieur à l'univers matériel et continuerait à exister même si toute la matière disparaissait, qu'il est commun à toute la réalité et qu'il passe ou coule en entraînant d'une manière irréversible le maintenant du passé vers le futur. Cette conception commune du temps a été incorporée dans la description scientifique de la réalité au XVIIe siècle par Galilée, Descartes et surtout par Newton. La figure que vous pouvez voir montre la célèbre scolie de Newton, où il hypostasie la durée vécue en un temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, qui coule uniformément. Merci. Le point essentiel de cet exposé va être d'indiquer que les développements de la physique au XIXe et XXe siècle suggère une image du temps très différente de la conception habituelle
et de sa version mathématisée par Newton. D'abord, le temps ne doit pas être hypostasié en une réalité indépendante du contenu matériel de l'univers, et surtout, la physique nous suggère que le passage du temps est une illusion. Commençons notre description par ce que nous suggère la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Lors de la venue d'Einstein à Paris en 1922, nombre de journaux, et vous pouvez peut-être voir sur la diapo quelques-uns des titres des articles de ces journaux, parus donc en avril 1922 à Paris, ces journaux ont résumé l'impact de la théorie de la relativité par une phrase du genre « Le temps n'existe pas », dit Einstein, ou « Le temps illusion ». Prochaine diapo, je vous prie. Ce dessin humoristique que vous pouvez peut-être voir, qui dit « Le temps n'existe pas à Einstein, Einstein veut peut-être parler du beau temps », indique que certains journalistes hésitaient sur le sens à donner à la phrase. La plupart des journalistes ne comprenaient sans doute pas en détail l'apport de la théorie de la relativité, mais ils avaient correctement senti que cette théorie bouleversait la conception habituelle d'un temps commun à toute la réalité, entraînant dans son passage le maintenant du passé vers le futur. En effet, cette théorie, la théorie de la relativité restreinte, remplace l'idée que la réalité est constituée par une succession temporelle de configurations spatiales de la matière par le concept de bloc espace-temps quadridimensionnel. Donc, en termes simples, l'espace-temps est une généralisation des diagrammes de train que l'on utilisait autrefois à l'école pour résoudre les problèmes de rencontre de train. Vous vous en souvenez sans doute, un train rouge quittait une première gare à telle heure et avec telle vitesse, alors qu'un train bleu quittait une deuxième gare en direction de la première, en partant à une heure différente et avec une vitesse différente. La question était de trouver le lieu et l'heure de croisement des deux trains. Et on nous apprenait à trouver la réponse de façon géométrique, en dessinant un diagramme dont l'axe horizontal repérait la position des trains le long de la voie, alors que l'axe vertical repère le temps. Et dans ce diagramme, le mouvement des trains était des lignes. Bien. Un problème de ce type est illustré dans la figure que vous pouvez voir pour le cas de la rencontre de deux boules se déplaçant l'une vers l'autre sur un billard. À gauche, on voit la succession temporelle, du bas vers le haut, des configurations spatiales des boules sur la table de billard. Au début, elles sont éloignées l'une de l'autre, et puis de plus en plus proches, et elles se cognent. À droite, on a le diagramme obtenu en empilant les unes sur les autres la succession continue de ces configurations. Ce diagramme de droite est un espace-temps tridimensionnel où le temps s'est ajouté comme troisième dimension verticale aux deux dimensions horizontales de la table de billard. On obtient un bloc espace-temps, comme celui qui est représenté, quand on fait complètement abstraction de la décomposition en tranches temporelles, celle que l'on voit à gauche, c'est-à-dire des sections horizontales correspondant à la vision habituelle illustrée à gauche. Donc, à droite, les choses ont changé. La figure suivante, où l'espace est réduit à une seule dimension spatiale, contraste la vision newtonienne, mais c'est aussi la vision habituelle, de la réalité à gauche avec la vision einsteinienne à droite. Dans le cas newtonien, la seule réalité qui existe est l'instant présent figuré par la tranche verte. Ce présent, ou ce maintenant, est conçu comme se déplaçant progressivement vers un futur en pointillé, qui n'existe pas encore, en laissant derrière lui un passé qui a existé, mais qui n'existe plus. Dans le cas einsteinien, à droite, le concept de présent ou de maintenant, c'est-à-dire l'existence d'une tranche horizontale mouvante particulière, a disparu. Et la réalité
est constitué des lignes atemporelles tracées par les particules de matière dans le bloc espace-temps. Sur quoi Einstein s'est-il fondé pour conclure que, je cite, « le temps subjectif avec son maintenant ne doit avoir aucune signification objective. » Il s'est fondé sur une conséquence observable de la relativité qui a été amplement vérifiée par l'expérience. Cette conséquence joue d'ailleurs un rôle important dans les systèmes modernes de localisation, comme le système GPS, qui ne fonctionne que parce que l'on a inclus la théorie de la relativité dans son logiciel. Si l'on considère deux jumeaux, dont l'un, qui est figuré par la ligne verticale marron, donc dans ce bloc espace-temps, donc l'un de ces deux jumeaux, la ligne verticale marron, reste sur Terre, alors que l'autre, figuré par la ligne verte, qui est brisée, qui forme un angle, représente un jumeau qui s'éloigne à grande vitesse avant de revenir sur Terre aussi à grande vitesse. La théorie de la relativité nous dit, et les faits ont vérifié, que le jumeau voyageur sera plus jeune que son frère quand il le retrouvera au point C. C'est cette conséquence centrale de la relativité que Bergson n'a jamais voulu accepter, car elle faisait trop violence à son intuition de la durée. Dans l'expérience de pensée, où la vitesse du jumeau voyageur est très proche de celle de la lumière, le jumeau voyageur peut, de façon quasi instantanée pour lui, faire un saut arbitrairement grand dans le futur. Disons qu'il peut voir et vivre ce que sera la Terre dans 60 millions d'années en ayant voyagé seulement pendant une heure de son temps. Donc, les voyages quasi instantanés dans le futur sont possibles d'après la théorie de la relativité restreinte. Les distorsions possibles du temps peuvent être encore plus spectaculaires si l'on considère la théorie de la relativité générale d'Einstein. Dans cette théorie, la structure chronométrique et géométrique de l'espace-temps est intimement liée à son contenu matériel. En utilisant ce lien, le mathématicien Gödel a montré, en 1949, qu'il existait des univers cosmologiques hypothétiques satisfaisant aux équations d'Einstein, où il est possible de voyager vers le passé et non plus seulement vers le futur. Comme l'illustre la figure que vous pouvez voir, un voyageur d'espace-temps peut quitter la Terre au point Q, le point qui est plus haut sur le diagramme, puisque le temps anciennement représente la verticalité ici. Donc un voyageur peut quitter la Terre au point Q pour revenir ensuite sur Terre à un point P qui, pour les habitants restés sur Terre, est dans le passé de l'événement Q. Par exemple, ce voyageur peut partir maintenant pour aller observer les dinosaures avant leur disparition il y a 65 millions d'années dans cet univers hypothétique. Alors que l'exemple précédent montrait que le futur existe déjà, cet exemple hypothétique suggère que le passé existe encore. Cette autre figure illustre deux autres modifications majeures de la conception habituelle du temps qui deviennent possibles en relativité générale. D'une part, à cause de leur lien avec la matière, l'espace et le temps peuvent apparaître ou disparaître au voisinage de certains bords de l'espace-temps, appelés Big Bang ou Big Crunch, et ne plus faire sens au-delà. Donc le bas de ce diagramme ainsi que le haut sont des bords de l'espace-temps. Au-delà de ces bords, il n'y a plus ni espace ni temps. D'autre part, rien ne garantit a priori que le temps s'écoule, ou plutôt semble s'écouler, partout dans le même sens. Autrement dit, il est possible que des événements qui sont dans le futur de certains habitants de l'espace-temps, et donc ne soient pas encore advenus, soit dans le passé d'autres habitants et donc ait déjà eu lieu pour ces derniers. C'est ce qui illustre les flèches sur le diagramme qui représentent le sens local du temps. Jusqu'ici, nous avons dit que si l'on prend au sérieux l'image de la réalité donnée par les théories de la relativité,
Le réel doit être pensé sub specie aeternitatis comme un bloc où le passé et le futur existent avec le même degré de réalité et où le présent ne garde, comme l'a écrit Einstein, que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Mais qu'est-ce qui explique cette illusion tenace du passage du temps ? En faisant l'hypothèse scientifique habituelle d'un parallélisme physico-psychologique, l'origine de cette illusion se trouve dans ce qui s'appelle le second principe de la thermodynamique. Ce principe stipule essentiellement que le désordre d'un système fermé, mesuré par son entropie, S, ne peut qu'augmenter. Un verre qui tombe se brise en de nombreux éclats, alors qu'on n'a jamais vu de nombreux éclats de verre se rassembler pour reformer un verre. Mais quelle est l'origine de cette irréversibilité postulée par ce second principe et absente des lois fondamentales de la physique, lesquelles sont toutes réversibles ? Cette origine a été élucidée par le développement de la physique statistique au XIXe siècle. Ludwig Boltzmann comprit que la croissance continuelle du désordre n'était pas liée à une quelconque irréversibilité fondamentale de l'écoulement du temps, mais qu'elle s'expliquait par le fait que l'on considérait, en thermodynamique, des systèmes dont l'état initial était très spécial et contenait beaucoup plus d'ordre qu'un état pris au hasard. En 1897, Boltzmann alla plus loin en suggérant que l'origine d'un tel état initial spécial autour de nous était due à une fluctuation aléatoire au sein d'un immense cosmos où la flèche du temps ne pointerait pas partout dans la même direction. Un tel univers est représenté ici sur cette diapo. Un tel univers, imaginaire mais compatible avec les lois de la physique, contiendrait des poches antichrones où, par rapport à notre façon de vivre, le temps s'écoulerait à l'envers. Dans ces poches antichrones, c'est-à-dire celles où la flèche du temps ici n'est pas la même que chez nous, les vers cassés à terre se reconstitueraient pour sauter sur une table, les êtres vivants rajeuniraient, etc. Mais les habitants des régions antichroniques de cet espace-temps vivraient sous l'influence d'un second principe de la thermodynamique inversé temporellement par rapport au nôtre, c'est-à-dire en grimpant la pente de croissance locale de l'entropie et auraient donc, comme nous, l'illusion de vieillir, puisque ce qui détermine le sentiment intime du temps, c'est en fait la croissance du désordre, donc la croissance de l'entropie. Cette grandiose conception de Boltzmann, c'est-à-dire la conception qu'il existe aujourd'hui peut-être très loin dans l'univers des régions où le temps s'écoule à l'envers par rapport à notre sens du temps, fait actuellement le sujet d'intenses recherches dans un cadre cosmologique renouvelé par la relativité générale et la théorie quantique. Je suis conscient que le sens intime de la durée qui habite la plupart d'entre nous, êtres humains, et certains de nos frères animaux, est si prégnant qu'il est difficile d'accepter la suggestion faite par la physique que le passage du temps est une illusion. Rappelons cependant que cette idée a été défendue par toute une tradition philosophique allant de Parménide à MacTaggart. Il faut aussi compter Emmanuel Kant dans cette tradition. Vous avez ici une citation complète de Kant, dans laquelle il affirmait clairement que le temps n'était qu'une condition subjective de notre humaine intuition et qu'en lui-même, il n'était rien en dehors du sujet. J'aimerais, pour finir, faire appel aussi au témoignage d'artistes. D'abord, un beau texte de Mozart indique que, quand une œuvre musicale est achevée dans son esprit, il peut embrasser le morceau entier d'un seul coup d'œil comme un tableau ou une statue, et que, dans son imagination, il n'entend pas l'œuvre dans son écoulement,
mais plutôt comme un seul bloc intemporel. Enfin, rappelons la proximité intellectuelle pour leur vision du temps entre Proust et Einstein, et c'est ce que la diapo indique. Certains lecteurs de Proust, trompés par le titre général de son œuvre maîtresse, À la recherche du temps perdu, pensent que le concept proustien de temps est celui d'un temps qui passe inexorablement et dont l'homme ne peut que regretter la fuite irréversible. Mais en réalité, cette œuvre est sous-tendue par l'idée que le passage du temps n'est qu'illusion et que, de temps en temps, l'être humain peut sentir que son vrai moi est, je cite, « affranchi de l'ordre du temps ». Dans des lettres à ses amis, ainsi que dans certains manuscrits, Proust cite explicitement le don d'Einstein et évoque une parenté entre leur manière de déformer le temps. Il me plaît aussi de penser que la visite d'Einstein à Paris au printemps 1922 a été l'occasion pour Proust de réécrire la célèbre phrase finale du temps retrouvé. Et d'après Céleste Albaret, effectivement, Proust a réécrit cette phrase en avril 1922. Cette phrase finale, dont vous pouvez voir la version complète, est une très belle évocation de la description spatio-temporelle des hommes occupant, comme des géants plongés dans les années, une place prolongée sans mesure dans un temps ajouté comme dimension verticale à l'espace. Et l'image des échasses indique bien cette verticalité. Merci. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à M. Bernard Potier, linguiste, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Les mémoires du présent ». Parler du passé, c'est nécessairement considérer le vaste domaine du temps. Il est certain que les temps du physicien, du poète, du théologien, du philosophe, de l'artiste entraînent la réflexion dans des voies très variées et parfois contradictoires. Des milliers de pages ont été écrites sur ce sujet depuis des siècles et de nos jours, le temps est le sujet de nombreuses revues spécialisées et le thème de multiples colloques. Nous retiendrons en priorité les traces sémiologiques que l'inconscient des groupes sociaux a laissées au cours des siècles dans les langues. On rencontre d'une part les catégorisations sémantiques manifestées par le lexique et les constructions de la morphosyntaxe, et d'autre part les métaphores langagières qui révèlent des visions particulières du temps. Ce sont des visions du temps qui justifie les appellations de « temps linéaire »,« temps cyclique », »,« temps sinusoïdal », »,« temps ramifié », dont il sera question plus loin. À la différence du scientifique, le linguiste doit retenir le point de vue de l'expérience humaine. Et lorsqu'il envisage le passé, il constate que ce qu'on appelle à tort ou à raison la ligne du temps est ressenti dans les deux directions opposées que les philosophes ont abondamment décrites depuis l'Antiquité grecque et romaine jusqu'aux penseurs modernes et contemporains. Un premier mouvement est dit ascendant, comme l'évoque Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, qui reconnaît avoir recours à une métaphore. On dit que le temps passe ou s'écoule. On parle du cours du temps. Si le temps est semblable à une rivière, il coule du passé vers le présent et l'avenir. Le présent est la conséquence du passé et l'avenir la conséquence du présent. Un second mouvement est dit descendant, car, selon le même philosophe, vu autrement, le passé est un ancien avenir et un présent récent, le présent un passé prochain et un avenir récent, l'avenir enfin un présent et même un passé à venir. On peut caractériser visuellement ces deux interprétations complémentaires du passé. Dans ce mouvement ascendant, la jeune fille chemine de son passé vers son futur par rapport à l'échelle fixe du temps qui sert de repère. Mais cette jeune fille, prise comme repère fixe à chaque instant, voit chaque élément de son futur, alpha,
se transformer continuellement en élément de son passé, oméga, dans un mouvement descendant. Ce cheminement, depuis l'avenir vers le survenant pour arriver au parvenu, est le mécanisme qui crée les conditions d'enrichissement continu de la possibilité du souvenir. Celui-ci représente la réserve immense d'informations constituant le savoir de l'individu qui, au niveau d'une société, est l'origine des lieux de mémoire. Cependant, on relève dans certaines langues africaines et amérindiennes une représentation statique, moins fréquente, du passé, associée à ce qui est connu, s'étant déjà produit, visible, et donc se situant devant les yeux, comme le présente Victor Hugo lorsqu'il dit « Le passé devant lui, plein de voix enfantines, apparaissait, c'est là qu'étaient les feuillantines. » Alors que le futur, caché dans le dos, est considéré comme invisible et inconnu. Ainsi apparaît la question du présent et de l'instant, ou mieux, de l'instant présent, cher aux philosophes. Héraclite, puis Platon, disaient « Jamais rien n'est, mais toujours il devient. » Le devenir est au cœur de la réflexion philosophique sur la nature du présent. On ne peut éviter de citer Bergson. Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la conscience. Il n'y aurait pas pour elle de présent si le présent se réduisait à l'instant mathématique. Cet instant n'est que la limite théorique qui sépare le passé de l'avenir. Il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu. Quand nous croyons le surprendre, il est déjà loin de nous. Ce que nous percevons en fait, c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties, notre passé immédiat et notre avenir imminent. Le linguiste Gustave Guillaume a souligné l'importance de cette dynamique dès 1929. Le présent ainsi composé emporte en soi un cinétisme selon lequel on voit d'instant en instant, dans le présent même, la parcelle du futur, alpha, opérait sa conversion en parcelle de passé, oméga. L'instant T0 pourrait ainsi être figuré par un pic entre deux asymptotes, faisant écho à cette vision de Jean d'Ormesson dans La Douane de mer. Si plein de menaces et d'espérance, l'avenir attend devant nous d'être fauché par un présent mince et tranchant jusqu'à l'inexistence, et d'être changé en passé. Cette minceur fait penser au plus petit intervalle de temps théoriquement calculé que les scientifiques considèrent de l'ordre de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, ce qui nous fait rêver. On ne s'étonnera donc pas de la difficulté qu'ont les langues pour dire cet instant T0, qu'elles élargissent morphologiquement pour le mieux saisir. « Je suis en train de manger. Estoy comiendo. » I'm eating. Le linguiste se trouve confronté à des centaines de langues aux typologies variées, et malgré tout, le sémanticien parvient à repérer des quasi-universaux dans le domaine des grandes dimensions, personne, espace, temps, détermination, quantification, aspect, modalité. À travers les descriptions des langues du monde, le passé est qualifié de proche, lointain, achevé, descriptif, habituel, récent, éloigné, ponctuel, mythique, gnomique, aoristique, défini, indéfini, d'expérience, du jour même, odiernus, etc. On parle de prétérit, d'aoriste, et formellement du passé simple et du passé composé, termes que nous utiliserons dans cet exposé. Le sujet parlant, dans sa démarche onomasiologique, qui va de la conceptualisation du vouloir dire au choix des signes linguistiques, n'a pas seulement recours aux formes verbales intégrées, comme dans nos langues occidentales. Il utilise judicieusement sa boîte à outils morphologique et syntaxique, grâce aux auxiliaires, aux adverbes, aux particules en téposé ou postposé, tout comme le fait le français dans « il vient tout juste de sortir », sorte de passé récent immédiat, en combinant cinq mots de classe grammaticale distincte, dont certains expriment l'antériorité, mais sans aucune marque formelle de passé. En ce qui concerne plus précisément les formes et les usages des passés, commençons par lire ce que les auteurs de la grammaire générale et raisonnée, des grammaires de Port-Royal, Arnaud et Lancelot, déclaraient en 1660, faisant écho aux propos déjà formulés un siècle plus tôt par Henri Étienne.
mais parce que dans le passé, on peut marquer que la chose ne vient que d'être faite, ou indéfiniment qu'elle a été faite, de là, il est arrivé que dans la plupart des langues vulgaires, il y a deux sortes de prétérites. L'un qui marque la chose précisément faite, et que pour cela on nomme défini, comme « j'ai écrit »,« j'ai dit »,« j'ai fait »,« j'ai dîné », et l'autre qui la marque indéterminément faite, et que pour cela on nomme indéfini ou aoriste, comme « j'écrivis »,« je fis »,« j'allais », »,« je dînais ». Les auteurs précisent ensuite les conditions de l'emploi de l'une et l'autre forme. C'est la fameuse règle des 24 heures qui a fait l'objet de très nombreuses études. L'indéfini ou aoriste ne se dit proprement que d'un temps qui soit au moins éloigné d'un jour de celui auquel nous parlons. Car on dit bien, par exemple, « j'écrivis hier », mais non pas « j'écrivis ce matin » ni « j'écrivis cette nuit ». Au lieu de quoi, il faut dire « j'ai écrit ce matin », »,« j'ai écrit cette nuit ». Cette distinction fondamentale a été reprise par tous les grammairiens des XVIIIe et XIXe siècles qui se copient volontiers entre eux, avec parfois des compléments d'information, comme la validation du passé composé lorsque le cadre temporel auquel se réfère l'événement recouvre encore l'instant de parole. Parmi les auteurs du XVIIIe siècle, citons Pierre Restaud. Quand je dis « j'ai eu la fièvre cette année », ce printemps, ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui, je désigne la vérité des temps, mais ce ne sont pas des temps absolument passés, et il en reste encore quelques parties à écouler. Robert Martin fournit un témoignage historique. Il dit « À partir de 1762, la Gazette de France se met au service du gouvernement français dont elle se fait l'organe officiel. C'est en 1777 que paraît le premier quotidien français, le Journal de Paris. Or, un journal, surtout quotidien, rapporte l'actualité la plus récente. Pour respecter la règle célèbre, le journaliste est contraint de raconter au passé composé. D'où la sévérité des grammairiens concernant les écrivains. On connaît les sentiments de l'Académie française sur la tragicomédie du Cid. Et l'on sait que, d'autre part, Racine n'a pas non plus été épargné. Dans ses principes généraux et particuliers de la langue française, De Vailly écrit, encore plus d'un siècle après la publication de Phèdre, « Racine n'est pas correct quand il fait dire à Théramène le flot qu'il apporta recule épouvanté. Il aurait fallu qu'il l'a apporté, parce que l'action vient de se passer. » Ce lien subjectif avec le passé apparaît dans ce texte allusif de Jean d'Ormesson. Le passé composé est un regard en arrière teinté de mélancolie. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Cette liaison avec la persistance de l'actualité de l'événement, en face de la simple mention de celui-ci, se retrouve dans l'opposition en anglais entre le present perfect, have you seen, écho du présent inclus dans missing, et l'événement imprévu, déconnecté de tout, présenté au prétérit, did you see. Une mention particulière doit être réservée aux éléments de grammaire générale de l'abbé Sicard, membre de l'Académie française. Bien avant les linguistes du XXe siècle, et l'on pense aux travaux d'Émile Benveniste ou de Harald van Rich, l'abbé Sicard utilisait des concepts très modernes. Ainsi, l'importance comme repère de l'instant de la parole, ou des termes relatifs à la situation de communication comme une époque relative à l'énonciation. Et, de même que Destutt Tracy dans ses éléments d'idéologie, il insistait sur l'emploi que l'on fait dans le discours. Toute cette terminologie, instant de parole, énonciation, discours, est abondamment exploitée par la recherche contemporaine. Un autre concept intéressant est celui de limite, appliqué au déroulement temporel. En 1607, Charles Maupas emploie le mot « terme ». Si on ne cote nul terme, vient l'indéfini. Le roi a obtenu victoire de ses ennemis, puis leur a pardonné. Mais si l'on assigne quelques certains termes, vient en service défini. L'an 1590, le roi obtint victoire de ses ennemis. Et l'auteur remarque que ce prétérit convient bien mieux aux récits d'histoire et contes de fables. Pour indiquer les limites aspectuelles, l'abbé Girard, en 1747, a déjà recours à un usage métaphorique précis du mot « borne ». Ces périodes sont plus ou moins longues selon les bornes qu'on leur fixe. En 1767, Nicolas Beauzée se réfère à « une portion de temps bornée de toutes parts », ce qui fait penser à la notion d'intervalle. En 1798, l'abbé Sicard parle de « distance quelconque circonscrite entre deux bornes ». Ces mots,
passeront ensuite dans le langage de l'analyse mathématique, semble-t-il, au XIXe siècle, et ils sont utilisés par des linguistes topologues contemporains comme Jean-Pierre Desclées. Déjà dans Arnaud et Lancelot, la rigueur du français quant à l'emploi des temps du passé est bien mise en valeur. Notre langue est si exacte dans la propriété des expressions qu'elle ne souffre aucune exception en ceci, quoique les Espagnols et les Italiens confondent quelquefois ces deux prétérites, les prenant l'un pour l'autre. Il est vrai que César Houdin, dans sa grammaire espagnole expliquée en français, avouait « Je vous avertis en passant que les Espagnols ne sont pas si exacts observateurs de ces deux prétérites que les Français, car bien souvent, ils usent du défini au lieu de l'indéfini. » Et de citer « Yo vi esta mañana al señor N. »« J'ai vu ce matin le señor N. » Donc, un prétérite en espagnol pour un événement qui a lieu le matin même. C'est ici qu'apparaît une règle fondée non plus sur une chronologie objective comme celle des 24 heures, mais sur un degré de subjectivité à l'initiative du locuteur, et on peut alors parler de chronopsychologie. La distinction entre un fait détaché du présent et un fait qui lui est relié est en fait conservée en espagnol, mais le curseur de délimitation peut fortement se déplacer. Le grammairien Giligaya, évoquant un événement vieux de 3 ans, cite l'exemple suivant. « Mi padre murió hace 3 años. » Mon père mourut il y a 3 ans, si on se limite à la simple information. « Mi padre ha muerto hace 3 años. » Mon père est mort il y a 3 ans, si le côté affectif est mis en évidence. Il nous reste à considérer l'imparfait, qui implique une vision de présent d'un événement passé. Resto offre la formulation suivante. L'imparfait marque le passé avec rapport au présent et fait connaître qu'une chose était présente dans un temps passé. C'est pourquoi cette forme apparaît spontanément dans l'évocation d'un souvenir, comme dans cet extrait de Gisèle Halimi. Je me souviens très bien des réactions du tribunal quand je m'avançais à la barre. Avec mes 20 ans, je les intriguais, on me toisait de haut en bas, on m'accueillait avec un sourire amusé, etc. On sait également que le présent peut, lorsque le contexte s'y prête, s'appliquer au passé. Je me suis endormi sur un petit mur, je me suis réveillé en sursaut, et qu'est-ce que je vois ? Des gendarmes à vélo à 2 pas. Elle s'attriolait. Nous voici donc déjà avec 4 formes fondamentales disponibles pour le locuteur qui veut exprimer un entier événementiel dans le passé. Un passé inséré dans le passé. Je la pris dans mes bras, et elle sanglota sur mon épaule, le gendre Bonetto. Un passé relié au présent d'énonciation, j'ai couru vers elle, l'ai prise dans mes bras, j'ai littéralement recueilli son dernier souffle, Dubrovski. Un présent vu dans le passé, moi c'est Marie que j'embrassais, je l'ai beaucoup embrassée, je la prenais dans mes bras, je la serrais contre moi, Dormesson. Et un présent d'expérience passée. Parfois, le soir, je la prends dans mes bras et nous dansons au sein de la radio, Claude Mauriac. Soit donc. Un passé passé, j'écrivis une lettre. Un passé présent, j'ai écrit une lettre. Un présent passé, j'écrivais une lettre. Et un présent ouvert, quand j'écris une lettre. On peut ajouter en espagnol un passé présent résultatif, qui possède 2 auxiliaires et peut ainsi différencier à partir de « he escrito una carta », j'ai écrit une lettre, 2 degrés d'intégration. La carta que he escrito et la carta que tengo escrita. Ce qui rappelle la concordance de la relative française dans la lettre que j'ai écrite. Cette gradation est également sensible en français lorsque l'on dit successivement, par exemple, dans un reportage sportif, il a gagné la partie, il a la partie gagnée, comme le fait l'espagnol, qui se retrouve avec 3 degrés d'actualisation du passé récent. Pour il a perdu la guerre, on peut dire ha perdido la guerra, tiene perdida la guerra, tiene la guerra perdida. L'historien qui raconte des événements se déroulant au XVe siècle pourra dire, se référant à un épisode de 1492 et en fonction des saisies objectives qu'il opère, quand Christophe Colomb découvrit l'Amérique, savait-il vers quoi il voguait, André Gide. Colomb a découvert l'Amérique en partant d'idées fausses, Ernest Renan. Mais le locuteur peut se transporter à un moment antérieur à l'instant d'énonciation, pris comme nouveau repère, et envisager mentalement, à travers ce changement d'origine, l'événement passé à partir de points de vue
distribuée sur l'échelle du temps. On peut de la sorte parler au futur d'un événement du passé. Christophe Colomb découvrira l'Amérique à la fin du siècle. Christophe Colomb découvrira l'Amérique 10 ans plus tard. Christophe Colomb allait bientôt découvrir l'Amérique. Christophe Colomb se trompe et il découvre l'Amérique d'Ormesson. Et ainsi de suite. Considérons à présent quelques représentations visuelles, métaphoriques, associées au temps. L'écoulement du temps, du passé vers le futur, en vision ascendante, est souvent symbolisé par le sablier. Il figure par exemple sur la couverture du numéro hors-série de La Recherche consacré au temps en avril 2001. C'est pourquoi Marc Fumaroli, parcourant l'histoire littéraire des modernes aux anciens, intitule son ouvrage « Le sablier renversé ». Mais on retrouve l'interprétation descendante du temps lorsqu'on considère le grain de sable supérieur qui traverse le goulet central et devient un grain de sable passé. Le présent étroit peut aussi évoquer l'image d'une écluse. Le futur ne glissera plus dans l'écluse du présent pour devenir passé, Philippe Forest. Dans cette composition artistique, les deux éventails sont reliés par une poignée de crémone qui peut symboliser le passage étroit de la droite vers la gauche, du futur vers le passé. Pour l'humain, le passé nu remémoré est soumis aux caprices de l'imaginaire et l'imaginaire anticipé a ses racines dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a interpénétration des connaissances acquises et des pensées projetées, cette mixité pouvant être figurée par le symbole du Tao. Le yin bleu de l'imaginaire ne peut se libérer totalement du passé et le yang orange du passé se teinte d'un peu d'imaginaire. Entre les deux, la ligne fictive ondulante du présent. On pourrait penser à une symétrie entre le passé et le futur, sur la foi d'expressions telles que « hier avant-hier »,« demain après-demain ». L'incertitude du souvenir du passé, le « déjà », est-elle de même nature que l'incertitude de l'imagination du futur, le « pas encore ». Dans un numéro de la revue « Langage » de 1981 sur le temps grammatical, Robert Martin insiste avec raison sur les différences fondamentales entre le futur qui échappe à la certitude et le passé qui est un acquis irréversible. Et il développe le concept de futur ramifié, celui des mondes possibles, dont certains éléments privilégiés forment les attentes, l'expectatio de saint Augustin. D'où la possibilité d'une représentation symétrique, mais cette homologie est trompeuse. Le passé s'enrichit constamment dans différentes directions, avec certaines branches qui s'amenuisent ou s'interrompent dans l'oubli, et d'autres qui se renforcent définitivement, comme l'indélébile proustien ou l'obsession pathologique. Ces comportements justifieraient le concept de passé ramifié. Par contre, l'arborescence du futur est totalement théorique. À la différence des physiciens, l'humaniste peut être en attente d'éléments du futur, mais il ne peut en être sûr. Un avion s'écrase sur la coupole, nous disparaissons tous et c'est bien dommage. Parler des mémoires du présent, c'est penser que le présent est le cadre obligatoire de nos pensées. Un être est tout entier présent à tout moment, car le passé comme le futur est un mode d'être du présent, affirme Yankelevitch. Reprenons cette idée force de saint Augustin, selon laquelle le passé est le souvenir actuel du temps écoulé et le futur l'attente actuelle du temps à venir. Revenons à Bergson. Sans cette survivance du passé dans le présent, il n'y aurait pas de durée, mais seulement de l'instantanéité. Pour le physicien qui travaille à l'échelle de l'univers, le présent peut disparaître et un voyage dans le futur semble possible. Pour nous autres humains, seul le présent nous est accessible. Il est clair que le passé multiforme et évolutif suppose une présentification qui n'est jamais une représentation à l'identique. Julien Gracq explicite ce mécanisme. Le souvenir qu'on garde d'une œuvre de fiction de longue haleine, d'un roman lu ou relu pour la dernière fois, il y a des années, après tout le travail de simplification, de recomposition, de fusion, de rééquilibrage qu'entraîne l'élision de la mémoire, fournirait, si la matière n'en était par nature aussi évasive, un sujet d'étude très intéressant. Nos expériences passées s'accumulent, se télescopent et restent disponibles dans l'attente de possibles résurrections. L'image prototypique que nous nous sommes faites de l'homme est sous-jacente aux multiples réalisations qu'en donnent les scientifiques ou les artistes de l'homme reconstitué de Néandertal, aux sculptures réductrices de Giacometti et aux peintures visionnaires de Picasso.
Le mot « rêve » du français montre l'affinité entre le rêve pendant le sommeil ou le jeu passif, voir des éléments du passé transfigurés, la belle et la bête, nouvelle version, et le rêve éveillé, celui de l'hôtel du futur, où le jeu actif élabore des images issues d'un passé reconstruit à partir d'éléments délocalisés et refinalisés. En résumé, si on laisse le futur hors de portée de l'humain, son voir présent actualise son savoir du passé, lequel alimente son revoir des rêves involontaires et ses prévoir des rêves volontaires. Tel serait l'environnement multiple et dynamique qui permettrait à chacun de nous, lorsqu'il le désire, de faire apparaître à la conscience un présent continuellement renouvelé et enrichi. La question « Le passé est-il passé ?» était un piège. Nous espérons avoir contribué à le déjouer. Merci. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Baussan, écrivain et musicologue, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé est-il présent ?» Le passé est-il présent ? Mais de quel passé s'agit-il ? Les remarquables exposés que nous venons d'entendre nous ont donné une parfaite démonstration de la complexité du problème. Est-ce que vous savez encore ce que c'est que le passé, ce que c'est que le présent, ce que c'est que le futur, ou est-ce que vous avez perdu vos repères ? Est-ce que nous pouvons considérer que le présent est quelque chose qui existe et que le temps est quelque chose qui existe ? Mais quel temps ? Quel rapport peut-il bien y avoir entre la conscience que nous pouvons avoir de notre temps et, je parle très concrètement, le temps, celui des battements de notre sang, oui, c'est une manière de mesurer le temps que nous portons en nous, celui des battements de notre sang, celui de notre esprit, la pensée qui nous traverse. Pouvons-nous comparer cela avec la mesure du temps dans le domaine scientifique et puis ce que nous apprennent les philosophes. Alors que justement, la science nous suggère que l'écoulement du temps vers le futur n'est qu'une illusion, un épiphénomène illusoire, n'est-il pas évident que le temps de notre propre pensée, de notre vie, est bel et bien réel ? Chaque mot que je prononce dure une seconde, deux secondes. Est-ce que c'est du temps ou est-ce que ça n'en est pas ? Quel rapport y a-t-il entre ce que mesure avec toute la précision possible un astronome qui regarde au bout de son télescope géant une petite lumière dont il nous affirme solennellement qu'elle date de quelques centaines de millions d'années, qu'elle est par conséquent toute jeune et toute fraîche ? Quel rapport avec ce que nous éprouvons lorsque nous sommes, par exemple, déçus d'une entrevue trop courte ? Ou bien que nous avons perdu la mesure du temps parce que nous ne le sentions plus passer durant un spectacle qui nous passionnait. Un portrait, ce portrait peint par un artiste du XVIe siècle, mettez-le dans votre imagination, aimez un portrait du XVIe siècle et voyez-le. Ce portrait peint par un artiste du XVIe siècle, du côté d'Amsterdam, par exemple, lorsque je le contemple et que je l'aime, que je communique directement avec lui, de manière intime et profonde, est-il passé ? Oui, bien sûr, puisque Franz Hals l'a peint en effet vers 1620 ou 1630, et que cela se voit. Et pourtant, puisque je l'aime, qu'il fait partie depuis tant d'années de ma vie et de ma pensée, et qu'il le fera toujours, je puis le voir avec précision, n'importe où et n'importe quand. Il suffit que je ferme les yeux et je le vois.
Ce tableau est-il daté ? Lorsque nous regardons un portrait, un tableau, le faisons-nous comme le contemplaient les contemporains du peintre ? Évidemment, non. Nous pensons autre chose, nous pensons autrement. Même les détails d'une peinture ont pour nous un sens différent. Cette coiffe, ce col, cette fraise tuyautée que porte cette vieille femme peinte par Franz Hals était alors tout à fait habituelle et ordinaire. C'était le vêtement de tous les jours. Il n'étonnait personne. Et justement, à cause de cela, cette peinture est datée, cette vieille femme est clouée dans un certain contexte historique que nous le connaissions savamment ou pas. Ainsi, cette femme, dont nous aimons le visage, les yeux, les petites rides, s'est éloignée de nous, mais par sa coiffe, et non par ses yeux. Il y a dans ce portrait deux temps, et non pas un seul. Il y a celui de l'histoire, qui communique d'ailleurs avec celui des savants historiens d'art, pour qui nulle œuvre d'art ne peut être sortie du temps où elle a été pensée et peinte, et l'autre, celui du regard, qui tente de communiquer avec le personnage peint, à travers la main du peintre, grâce à elle, mais au-delà d'elle. Ces deux temps ne communiquent pas l'un avec l'autre. Ils se rencontrent parfois, et parfois ils se refusent. Mais est-ce tout ? La dame à l'hermine, que vous connaissez bien sûr, que Léonard de Vinci a peinte il y a 400 ans, est-elle présente, puisque je l'aime tant que je referais volontiers le voyage jusqu'à Cracovie rien que pour la revoir, elle, et lui dire que son visage, son sourire, ses yeux n'ont jamais quitté ma pensée et ma vie, et que, justement, son sourire... Mais est-ce qu'elle sourit ? Non. Regardez mieux, elle ne sourit pas, du moins pas encore. Léonard de Vinci a seulement peint la douceur de ses lèvres, qui rejoint, n'est-ce pas étrange, celle de ses yeux. Non, elle ne sourit pas, mais Léonard a modelé ses lèvres de manière à m'obliger, moi qui la regarde, 4 siècles plus tard, à inventer, à imaginer ce sourire qu'elle n'a pas encore fait et qu'elle est sur le point, seulement sur le point, d'adresser à cette personne qui n'est pas là, à droite du tableau, et que je suis obligé d'imaginer aussi. Ainsi, sans rien faire bouger, Léonard a installé le temps dans ce tableau immobile. Il a fait en sorte que notre imagination aille au-delà de ce qu'il montre et nous fasse pressentir, inventer et ressentir le sourire qu'elle ne fait pas encore et qui n'existe que dans notre esprit à nous. Quel miracle la peinture ! La dame à l'hermine, peinte il y a 4 siècles, est présente aujourd'hui à l'instant, mais elle débouche sur le futur, ou plutôt sur quelque chose qui serait le futur d'un passé, un futur qui n'existe pas, mais qu'elle nous oblige à imaginer. Et la musique ? Lorsque j'écoute pour la 50e fois une musique que j'aime depuis mon enfance, un concerto de Vivaldi ou un air de Mozart, cette musique est-elle passée ? Ou est-ce que je ressuscite chaque fois la même émotion, les mêmes volutes sonores, puisque, les sachant par cœur, je les anticipe ? Je ne les écoute pas seulement, je ne les reçois pas, je les attends et je les fabrique en moi-même avant même que le musicien ne les fasse entendre sur le disque que je suis en train d'écouter. Et d'ailleurs, que suis-je en train d'écouter ? Est-ce la musique de mon tourne-disque ou celle de ma mémoire ou celle de mon imagination ? Les Grecs, au temps d'Ulysse, et même sans doute bien avant, ont eu toujours un merveilleux génie inventif
pour donner forme et sens à tout ce qui, pour les hommes, est difficile à comprendre. Et ils faisaient cela tout simplement grâce à leur mythologie. Les Grecs avaient fait de la mémoire une déesse qu'ils avaient nommée Mnémosyne. Nous ne pratiquons plus assez la mythologie que notre rationalisme qualifie de fantaisie, d'imagination. Il a tort. La mythologie a tant de choses à nous apprendre sur ce que pensent les hommes. Eh bien oui, les Grecs l'ont dit il y a 4 ou 5 000 ans, la mémoire est une déesse. C'est elle qui manipule notre esprit. Elle en fait ce qu'elle veut. Nous nous souvenons, nous oublions, et nous ne savons pas pourquoi. Mnémosyne manipule notre moi. Nous oublions ceci, nous nous rappelons cela. C'est elle qui décide. Et cette déesse fantasque et lunatique, aimable la plupart du temps, souriante, malicieuse, mais parfois cruelle, plus d'ailleurs par légèreté que par méchanceté, sans que nous le sachions, elle fait de nous ce qu'elle veut. Elle nous cache ceci, que nous oublions, nous montre cela, que nous croyons avoir oublié et qui était resté caché au fond de nous, dans une souricière. Mais cette mythologie admirable nous apprend une chose capitale, c'est que Mnémosyne, notre chère mémoire, avait épousé, ou plus exactement, car comment imaginer que Junon l'aurait accepté et supporté ? Mnémosyne, donc, avait eu avec Jupiter une relation qu'il faut bien croire assez longue, puisqu'il en a acquis 9 petites filles. Eh oui, 9 filles. Nous les appelons les muses, et nous oublions que tous les arts sont les enfants de la mémoire. Quel génie, les Grecs, de nous faire comprendre des choses si graves et si importantes avec des fables. Pas de musique sans la mémoire, pas de poésie sans le souvenir, pas d'histoire sans Clio, pas de tragédie sans Melpomène, pas même de comédie sans Thalie. La mémoire est le fondement de notre pensée et nous ne sommes rien sans elle. Mais permettez-moi maintenant, si du moins les muses le veulent bien, d'aller ce soir un petit peu au-delà de ce que les savants grecs avaient pu imaginer il y a 5 ou 6 000 ans, c'est-à-dire hier, si nous prenons le passé au sérieux. Pouvez-vous concevoir que même Homère, même Hésiode n'avait pu imaginer que l'aimable Mnémosyne avait une sœur jumelle et qu'elles étaient aussi ressemblantes l'une à l'autre que Castor et Pollux. On ne pouvait les distinguer l'une de l'autre et elles ne cessaient d'en jouer naturellement, de se faire prendre pour celle-ci alors qu'elle était celle-là et de rire l'une et l'autre de tous ceux qui avaient pris Amnésine pour Mnémosyne. Car c'était ainsi que se nommait la sœur jumelle de la mémoire, Amnésine, l'oubli. Amnésine était aussi charmante que sa sœur Mnémosyne, aussi gracieuse, aussi fantasque, et personne ne pouvait déceler laquelle des deux était là. On croyait que c'était l'une, on avait oublié que la gentille Amnésine, avec ses gestes doux, avait tout effacé. On se disait en se frappant le front, mais qu'ai-je donc oublié ? Quel est ce creux dans ma pensée ? Et sans même qu'on s'en aperçoive, c'était sa sœur qui était à sa place. Et tout d'un coup, Marcel Proust se rappelait tout, le goût de la madeleine trempée dans la tasse de thé et la tante Léonie et le parfum des aubépines. Ce n'est pas tant le passé qui est présent, c'est notre mémoire qui le conserve, de même que notre moi n'existe que dans la mesure où notre mémoire nous rappelle d'instant en instant la continuité du déroulement de notre temps. Nous ne sommes moi que dans la mesure où nous avons conscience de cette continuité. Marcel Proust a définitivement fait et refait cette expérience depuis les premières pages du côté de chez Swann jusqu'aux dernières du temps retrouvé. Il est impossible aujourd'hui de ne pas parler de Proust et de ne pas le citer. Je cite quelques phrases de lui. « Oui,
si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a pu contracter aucun lien, jeter aucun chaînon entre lui et la minute présente, s'il est resté à sa place, à sa date, s'il a gardé ses distances, son isolement dans le creux d'une vallée ou à la pointe d'un sommet, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau, précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois. Cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis et qui ne pourrait donner cette sensation profonde de renouvellement que s'il avait été respiré déjà, car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Mais cette continuité de notre pensée grâce à la mémoire, subtilement interrompue par amnésine au gré de ses lubies, on la retrouve aussi sous toutes ses formes, et l'homme fait usage de ces vides de la pensée autant que des pleins. Permettez-moi de revenir un instant sur l'art du peintre et de l'un des plus grands de toute notre histoire. Comment peignait le Titien ? Comment travaillait-il ? On le sait par plusieurs témoignages et c'est bien étrange. Dans ses tableaux de vieillesse, il ne caressait plus la toile avec douceur comme il le faisait dans ses jeunes années et qu'il peignait la Vénus d'Urbino. Ses coups de pinceau avaient acquis une étrange vivacité et même une certaine violence qui les font ressembler à ceux de nos impressionnistes. Pour ses derniers grands chefs-d'œuvre, la Pietà, le supplice de Marsyas, on a comme le sentiment qu'il fixe sur la toile non pas le sujet qu'il peint, mais quelque chose comme la hâte de sa main et l'angoisse du temps qui passe. Et Vasari, son premier biographe, qu'il a bien connu et qui résidait chez lui, raconte comment, après avoir peint à coups de poignet, il s'arrêtait, retournait le tableau vers le mur, à l'envers, pour ne plus le voir. Et puis, des semaines ou des mois plus tard, il le retournait et le contemplait longuement. Et Vasari ajoute d'un air sévère, comme si c'était son ennemi. Puis, continue Vasari, sa main reprenait possession du tableau et il se remettait à peindre. Pourquoi ce double mouvement ? Pourquoi cacher son œuvre contre le mur ? Pourquoi ? Pour ne plus la voir, ou au contraire, pour la garder secrètement, plus profondément que si, en effet, on pouvait la voir à chaque instant. La garder en soi, pour que cette œuvre en devenir soit pendant un temps transformée en passé, c'est-à-dire par définition de l'art qui ne bouge pas, qui ne change pas. Il m'a semblé que ce serait le plus direct chemin vers ce qui passe, puisque la peinture arrête tous les mouvements et nous oblige, par conséquent, à les imaginer. J'aurais pu parler davantage de musique, puisque justement, c'est le contraire, sa matière à elle, c'est le temps. La musique, ce n'est rien d'autre que l'art de donner une forme au temps. Lorsque nous l'écoutons, les secondes qui se succèdent, non pas l'une après l'autre, comme des objets, mais dans une continuité sans matière et sans substance, comme un filet d'eau qui coule entre des cailloux immobiles, la musique a pour fonction de donner au temps une forme, mais immatérielle, impalpable, quelque chose comme un parfum. Ainsi, lorsque nous écoutons un air de Fiordiligi ou le mouvement d'une fugue de Bach, notre temps à nous, celui de notre respiration et de notre cœur, est devenu le leur. La musique a l'incroyable pouvoir de modeler le déroulement de notre pensée sur son tempo à elle et de nous conduire le long du chemin qu'elle trace en nous comme elle veut bien. Et pour peu que nous la sachions par cœur, en l'anticipant, nous faisons en sorte que non seulement le passé est toujours présent, mais que le futur le soit lui-même, selon le rythme qu'a voulu Bach ou Mozart. In modum pulsus, eque
respirantis. Merci, chers confrères. La séance est levée.